Voor dit soort weer wel morgen meer van dat, met de hoofdrol toch wel weggelegd voor de wind. Erg veel wind. Maar dus opklaringen. Hier boven Groot-Brittannië ligt een regenzone. Verse localement orageux sur le nord-est. On retrouve cette zone qui se décale un tout petit peu. Retour de belles éclaircies sur le nord, toujours de belles éclaircies sur la façade atlantique et du soleil en Méditerranée. Pour les températures demain matin, alors ça baisse un petit peu sur la moitié nord. Nous aurons des températures stationnaires sur le sud, donc des températures qui vont varier entre 4 et 10 degrés. Pour l'après-midi, eh bien, il fera un petit peu plus frais avec des températures qui baissent. On va repasser cette fois-ci en dessous des normales saisonnières avec 9 à 14 degrés sur la moitié nord et puis on aura entre 11 et 19 degrés sur la moitié sud. Ça reste très doux près de la Méditerranée. Alors ce temps donc, va s'affirmer pour les jours suivants et pour la semaine avec une chute du thermomètre. Alors mardi, on aura une journée agréable, en fait, c'est un entre-deux avant l'arrivée d'une autre perturbation. On voit déjà les nuages qui arrivent. Mercredi, des températures très fraîches. Une perturbation qui passe et qui va donner des pluies localement orageuses sur le sud et des ondées sur le nord avec quand même de belles éclaircies sur le nord-ouest. Et puis de la neige à assez basse altitude, notamment sur les Vosges. On devrait avoir de la neige à partir de 800 mètres. Jeudi, la perturbation s'éloigne en Méditerranée. On aura un ciel nuageux sur la moitié nord et puis vendredi, samedi et dimanche, vous voyez, c'est encore un temps perturbé avec des averses ou de la pluie, des orages et un petit peu de neige en montagne. Je vous souhaite une bonne fin de soirée avec nous sur France 3 et puis surtout, n'oubliez pas, appelez le 110. Bonsoir. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. La victoire sur tous les terrains, tout le sport avec Big Mat. Big Mat, négociant en matériaux de construction. Vivez des moments forts dans tout le sport avec les shampoings Petrolane. Tout le sport comme tous les soirs pour tout savoir sur le monde du sport. Dimanche 2 avril, nous sommes en direct. Bonsoir à tous. Biarritz sauve l'honneur des clubs français engagés dans la Coupe d'Europe de rugby. Après les éliminations de Perpignan et de Toulouse hier, les Biarros, eux, ont obtenu leur qualification pour les demi-finales en battant les Anglais de Sale. Nicolas Vinoy pour le résumé. Voilà la seule bonne image ce week-end du rugby français, la belle communion entre les 30 000 Basques du stade d'Anoeta de Saint-Sébastien et les joueurs du Biarritz Olympique, seul français qualifié donc pour le dernier carré de Coupe d'Europe cette saison, à l'issue d'un match très peu spectaculaire cet après-midi contre Sale. Il faut en effet attendre la 22e minute du match pour voir les premiers points inscrits. Dans ce quart de finale, une pénalité de Dimitri Yachvili, puis une deuxième, permettent au BO de mener 6-3 jusqu'à cette action Nicolas Brusque. Pour Cyril Bombo, grâce à cet essai cependant non transformé, le Fidjien donne un avantage de 11-3 pour les Basques à la mi-temps. Malheureusement, la qualité de jeu diminue encore un peu plus en deuxième mi-temps dans un match où Biarritz se contente d'occuper le terrain, comme sur ce drop sans consistance de Julien Perlong. En face, Charlie Hoxson ramène bien le score à 11-6 pour Biarritz. Ce sera le score final. Le champion de France rejouera donc au stade d'Anoeta sa demi-finale contre le club anglais de Basse dans 3 semaines. On passe au foot avec la Ligue 1, suite avec, à noter, hier soir la victoire de l'OM à Nantes 3-1. Aujourd'hui, Le Mans recevait Nancy et Toulouse accueillait Rennes. Ces deux rencontres viennent tout juste de s'achever. Le résumé donc tout chaud de Julien Hérichon. Au départ, ça s'annonçait pas si mal. Après 2 minutes de jeu, Le Mans en rouge allait de l'avant et Bangoura allait marquer. Mais non. On espérait bien alors voir les visiteurs nancéens ouvrir la marque à la 31e minute de jeu. Non. Même le ballon dévié sur le coup franc de Romaric ne trouvait pas le chemin des filets. En seconde période, il se passe 3 fois rien, ce qui fait au total rien de neuf. Si ce n'est une frappe nancéenne au petit bonheur la chance, à l'arrivée 0-0 entre Nancéens et Mansour. Pour être franc, dans l'autre match de l'après-midi, Toulouse-Rennes, il n'y a pas eu beaucoup plus d'occasions. La reprise du Toulousain Taider est pas mal. Celle de Kallström est bien plus belle. Le geste est parfait et le ballon sur la barre. Cet après-midi, il n'y avait pas grand-chose à voir au stadium, mais il y avait au moins ça.
Ça et un but contre son camp du Toulousain Aubé à la 73e minute de jeu. Ce n'est pas un très beau but, mais c'est un but quand même. Rennes remporte son 7e match d'affilée et c'est bien là l'essentiel. Dernier match de cette 33e journée, ce soir le PSG affronte Bordeaux. Il vient de rentrer dans l'histoire, mais son nom ne vous dira sans doute rien. Bastien Ripoll, Toulousain de 25 ans, premier Français déjà à participer à la fameuse course d'aviron entre Oxford et Cambridge. Bastien Ripoll qui est entré dans la légende, puisque cet après-midi, le chef de nage et ses coéquipiers du bateau d'Oxford ont été sur la Tamise, les premiers à franchir la ligne d'arrivée. 73e victoire d'Oxford dans ce duel qui oppose chaque année depuis 1829 les deux universités anglaises. Vous allez voir la joie de Bastien Ripoll. L'Euroleague féminine de basket, les filles de Valenciennes terminent 3e. Dans la petite finale cet après-midi, les Valenciennoises ont battu Vilnius 77 à 62. Toujours en basket, des nouvelles maintenant du fils Noah. Il disputait la nuit dernière une demi-finale du championnat universitaire américain. Commentaire de Sonia Daugé et de Julien Hérichon. Je règle mon pas sur celui de mon père. Joachim Noah s'est imposé avec son équipe des Gators cette nuit face à l'université de George Mason 73-58 en demi-finale du Final Four universitaire. 12 points, 8 rebonds, 3 contre pour le fils Noah qui, sous les yeux de son papa, a emmené son équipe en finale et pris rendez-vous avec l'avenir. En guise de rendez-vous avec l'avenir, les basketteurs parisiens ont plutôt posé un lapin à leurs supporters. À Bercy, devant plus de 7000 spectateurs, les Strasbourgeois en rouge se sont imposés face aux joueurs de la capitale, presque facilement pourrait-on dire, 75-55. Au classement Paris est 13e, Strasbourg 5e, le rendez-vous est manqué. Depuis sa victoire surprise à l'US Open en 2004, Svetlana Kuznetsova en blanc avait raté tous les grands rendez-vous. Elle s'est rattrapée la nuit dernière en s'imposant au tournoi de Miami. Après Hingis au deuxième tour, Mauresmo en demi-finale. Elle bat sa compatriote Sharapova en finale 6-4, 6-3. Et elle retrouve, rendez-vous programmé, le top 10 du classement WTA. Rendez-vous compte que Kenenisa Bekele n'a que 23 ans. Et un palmarès impressionnant comme sa foulée. L'Éthiopien remporte à Fukuoka, au Japon, l'épreuve 12 km des championnats du monde de cross-country. Il y réalise pour la 5e année consécutive le doublé 4 et 12 km. Rendez-vous compte. Il avait donné rendez-vous à tout le peloton et à tous ses compatriotes belges cet après-midi pour le prestigieux Tour des Flandres. Tom Bonnen l'a honoré avec autorité. Le tenant du titre s'est à nouveau imposé dans la classique belge devant Host et Hincapie. Avec cette victoire, le champion du monde vient de fixer un nouveau rendez-vous à ses concurrents, le Tour de France, cet été. Et donc rendez-vous demain soir dans Tout le Sport, reportage complet sur le phénomène Tom Boonen. Rendez-vous aussi dimanche prochain sur France Télévisions avec Paris-Roubaix, une course dont Tom Boonen sera le grand favori. En Formule 1, le carton plein de Renault. 3 courses, 3 victoires cette saison. Départ en trombe aussi dans ce championnat 2006 de Fernando Alonso. En Australie, l'Espagnol a signé son 2e succès au terme d'un Grand Prix. Vous allez le voir, mouvementé et destructeur. Sonia Daugé. Le circuit d'Albert Park à Melbourne s'est transformé le temps d'une course en une gigantesque partie d'auto-tamponneuses. Massa, Schumacher, Liuzzi, Klein, Trulli, près de la moitié des pilotes n'a pas fini le Grand Prix ce matin. Comme un signe, Fernando Alonso n'a lui rencontré aucune difficulté pour s'imposer, remportant ainsi son 2e Grand Prix de la saison après celui de Bahreïn. Dès le départ, le champion du monde attaque Button, parti en pole, le dépasse rapidement et boucle sa course sans incident majeur devant Kimi Raikkonen et sa McLaren qui finit à 2 secondes derrière l'Espagnol. 28 points sur 30 possibles, c'est comme un rêve à ce stade de la saison. Et j'espère la finir aussi fort que l'année passée. Finir fort, Jenson Button en a une version assez personnelle. Alors qu'il s'apprêtait à franchir la ligne en 5e position, son moteur prend feu à 20 mètres de l'arrivée pour un ultime feu d'artifice australien. Passé au travers de tous ces rebondissements dominicaux, Alonso confirme son leadership. Raikkonen, grâce à sa seconde place, vient titiller Fisichella comme premier dauphin au classement des pilotes. Et Ralf Schumacher sur Toyota est l'invité surprise de ce Grand Prix décidément bien turbulent. Une naissance dans le monde de la presse avec la venue au monde du Figaro Sport. Ce cahier hebdomadaire fera ses premiers pas demain matin en supplément de l'édition traditionnelle du Figaro. Bienvenue à lui.
Pour boucler notre édition, à nous direction la Plaza des Toros à Mexico avec en piste les X-Fighters pour une compétition de freestyle moto rassemblant les meilleurs spécialistes mondiaux de backflips et autres figures incroyables. Des figures que tentera un jour peut-être Henri Sagnier sur son vélo. En tout cas demain, c'est lui qui vous présentera tout le sport à 20h10. Excellente soirée sur la 3, bonne fin de week-end, salut. C'était tout le sport avec les shampoings Pétrolane. La victoire sur tous les terrains, tout le sport avec Big Mat. Big Mat, négociant en matériaux de construction. Il a déjà envoyé son ombre 6 pieds sous terre. Alors à qui le tour ? Lucky Luke dégaine, tout de suite sur France 3. Aujourd'hui dans Consomag, la qualité des cantines de nos enfants. La cantine à l'école, elle n'est pas bonne. Ça doit être relativement bruyant. À la cantine, il faudrait faire des petits espaces pour que les enfants soient tranquilles. Alimentation peu variée, services trop rapides, environnement bruyant. Pour remédier à ces critiques, des professionnels de la restauration ont mis en place une norme de qualité. La norme AFNOR concrétise le passage de la cantine au restaurant scolaire. Elle veille à la qualité et au bon déroulement du repas et insiste sur le rôle éducatif et pédagogique des personnels d'encadrement qui doivent être en nombre suffisant. Une attention particulière est portée à l'aménagement du restaurant, notamment les surfaces disponibles par enfant, la qualité du mobilier ou encore la lutte contre le bruit. Et elle insiste également sur l'hygiène, notamment le lavage des mains et des dents. Pédagogie autour du repas, encadrement renforcé, la nouvelle norme doit maintenant se développer. Aujourd'hui, cette norme permet de répondre à ces exigences qui émanaient notamment de parents ayant des enfants dans des écoles élémentaires et maternelles. Donc ces parents-là peuvent aujourd'hui aller auprès de leur mairie pour inciter à ce que les collectivités puissent appliquer cette norme et du coup la développer. Et nous-mêmes, en tant qu'association émanant d'un mouvement d'éducation populaire, avec les collectivités avec lesquelles nous travaillons, nous allons faire en sorte aussi que cette norme puisse se développer. C'était Consomag avec l'association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs. Ils appartiennent au monde de la politique, du sport, de la mode ou du petit écran. Coupable. Et ils ont décidé de tout révéler, ou presque, des coulisses du pouvoir et du star system. C'est pas en crachant dans la soupe qu'on la rend meilleure. Dire la vérité, c'est pas forcément cracher dans la soupe. Non, chacun a du ressenti. Mais... hein, c'est non, là. Parce que... c'est pas aujourd'hui que je vais devenir toujours comme un agneau. Quand quelqu'un vous dit mon ami un tel, dites-vous que là, il en rajoute un peu. Donc lui, c'est le gentil, et à côté, il a des gens qui tuent. Voilà. La politique est certainement l'un des mondes les plus violents que j'ai rencontré. Après tout, on va s'exposer. Si de temps en temps, on s'en prend la figure, et ben on l'a pas volé. Et pour la première fois, Michel Leb dans son rôle de père. Et quel père ? Quand je ramenais mon petit ami à la maison, c'était lui serrer la main et le regarder de haut en bas. Oh non, 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 non. Faut pas exagérer. Tout, 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 vous saurez tout sur les secrets du showbiz et du pouvoir. Mercredi à 20h50 sur France 3.